La princesse Charlène a été aperçue vêtue de noir lors de sa rencontre avec le pape François, même si une règle inhabituelle lui permet de porter du blanc en présence du chef de l'Église catholique. La princesse Charlène et son époux le prince Albert se sont rendus de Monaco au Vatican pour une rencontre privée avec le pape François. La mère de deux enfants de 44 ans a semblé ignorer une règle qui lui permet de porter du blanc alors qu'elle assistait à la réunion vêtue de noir. Selon Jean, Charlène portait une robe noire avec un décolleté bateau et un collier de perles de chapelet avec un voile de dentelle noire. Charlène est l'une des sept femmes autorisées à porter des vêtements blancs lors de sa rencontre avec le pape. La médaillée d'argent sud-africaine des Jeux du Commonwealth a déjà porté des vêtements blancs lors de ses engagements avec le pape. La tradition, connue sous le nom de privilège du blanc, s'étend uniquement aux reines et princesses catholiques désignées et est généralement réservée aux événements importants au Vatican. Le petit groupe de femmes a eu le privilège du blanc, y compris la reine Sophia d'Espagne, la reine Paola de Belgique, la grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg, la reine Mathilde de Belgique, la reine Laetitia d'Espagne, la princesse Marina de Naples et la princesse Charlène. Charlène portait notamment du blanc lors d'une audience avec le pape Benoît XVI en 2013. Elle le ferait à nouveau lors d'un événement ultérieur avec le pape François en 2016. Cependant, elle portait également du noir lors de la messe des investitures du pape François sur la place Saint-Pierre en 2013. Au cours de leur rencontre de 25 minutes avec le pape à la bibliothèque apostolique, le couple a échangé des cadeaux avec le chef de l'Église catholique. Le pape François a même présenté au couple une représentation en bronze d'un enfant aidant un autre enfant à se relever du sol avec les mots amour et aide gravés sur les côtés des personnages. Albert a donné au pape un croquis de la chapelle Saint-Jean-Baptiste, qui se trouve dans le palais royal de Monaco, en retour. La visite d'Albert et Charlène au Vatican n'est pas inhabituelle pour un membre de la famille royale monégasque. Les parents d'Albert, le prince Rainier III et la princesse Grace ont été reçus par le pape Pie XII en 1957, Jean XXIII en 1959 et Paul VI en 1974. Le prince Albert a également fait sa première apparition publique en tant que souverain en dehors de la principauté lors des funérailles du pape Jean-Paul II en 2005. Thank you.